Moi, c'est Pauline Bilosta, je suis la présidente de l'association et la maman de Mia. Je suis Gaëlle Rodriguez, je suis le trésorier de l'association. Alors, la maladie, c'est le syndrome cornéa de l'ange, une maladie génétique rare qui touche un enfant sur 50 000. Alors, l'association a été créée pour financer les stages de Mia. Donc, c'est des stages qui l'aident à évoluer sur le plan de l'autonomie. Par exemple, pour manger, marcher, tenir à quatre pattes. Et quand elle avait 6 mois, elle a dû avoir une sonde nasogastrique pour l'aider à manger. Ensuite, on lui a posé un bouton de gastrostomie pour l'aider à se nourrir. Et ensuite, on aide aussi les enfants qui sont atteints de la même maladie. Les municipalités aident, notamment l'année dernière, la ville de Guérange qui a organisé une course solidaire. Cette année, on a eu la chance de reconduire l'opération papier cadeau. Les amis et les partenaires nous ont aidés à faire des tombolas notamment, et on a décidé avec l'association de faire une soirée caritative avec des professionnels du métier, des gens qui font ça toute l'année mais qui ont décidé de le faire d'une manière solidaire cette année, donc ils le font bénévolement. Cette soirée organisée avec monsieur Jules, Dick Dame, avec qui connu sur Valence, et on va organiser également une vente de maillots caritatifs, des clubs de sport ou des sportifs. Ils nous ont offert des maillots qui ont été portés, voire même signés par des joueurs. Alors avec tous les amis, je vous donne rendez-vous le 31 mars à 5 Victoria à Saint-Béret. Pour aider Mia. Faire la fête, parce que en dehors d'être une belle soirée caritative, ce sera un bel événement en musique.